de la Terre, pas, pas de Mars. Et, et c'est vrai que mon intérêt, c'est de comprendre comment, comment ces résultats, les, les interrogations aussi les, les plus récentes, résonnent avec les expériences qui vont être exposées aujourd'hui. Alors pour, pour vous dire effectivement un peu ma relation avec ces, ces, ces lieux de, de la vie collective au sein de l'habitat, moi, ça fait une vingtaine d'années que je consacre un certain nombre de, de recherches. À ce sujet. Pardon. À ce, à ce sujet, j'ai consacré plusieurs recherches, j'ai consacré ma, ma thèse aussi. Euh, et euh, alors, plutôt, comme vous le voyez d'ailleurs dans cette première diapo, à l'habitat social en milieu dense, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur, enfin, j'ai beaucoup enquêté sur des opérations dans Paris intramuros hein, et des opérations, je dirais, qui dataient des années 1990-2000. Là, en l'occurrence, c'est une opération dans le 15e arrondissement de Paris. Euh, et qui euh, a été euh, réalisé par l'architecte Catherine Furet. Euh, et euh, donc, c'est de, de, de l'habitat social, donc quand même une grande opération euh, de, de, de logement. Voilà, alors de fait de ma formation, effectivement, initiale en psychologie sociale et en psychologie environnementale, mais aussi de mon métier euh, en tant qu'enseignante chercheure en école d'architecture. Et puis, je suis aussi, enfin je, je peux être, euh, j'ai un rôle parfois de consultante euh, auprès, effectivement, d'agences d'architecture, de promoteurs, voire de, de bailleurs. Euh, c'est vrai que je me suis toujours attachée à essayer de saisir ces, ces lieux de la vie collective euh, à partir à la fois, bien sûr, de leurs usages, parce que ça, c'est ma formation première, mais aussi, et ça, j'ai vu combien c'était important, les modes de gestion. De, de, de ces espaces et puis bien évidemment de leur qualité architecturale et urbaine hein. euh, donc et c'est vrai que c'est pas toujours évident de tenir hein, ces, ces trois ces trois approches parce qu'on est tenté soit de basculer sur uniquement les pratiques soit uniquement effectivement la, la conception mais c'est vrai que moi ce qui m'a beaucoup aidé aussi euh, dans, dans cette analyse c'est de travailler avec des architectes urbanistes à la fois opérationnels enfin praticiens mais aussi chercheurs qui m'ont aidé à aussi tous ces processus de fabrication de ces espaces et à rentrer dans les coulisses euh, qui, qui, nous, qui nous permettent aussi de saisir toute la complexité euh, de, de, de ces lieux et tous les enjeux qui viennent se superposer, qui se mettent en tension euh, et qui bon, donnent au final, ce qu'on a sous les yeux et ce que les habitants vivent. Hein, mais, euh, euh, donc ça, ça a été très important pour moi aussi. Hein. Et alors, ce qui, est, ce qui est intéressant par rapport à ces lieux, c'est que moi, j'ai pu bénéficier d'un héritage déjà d'interdisciplinarité puisque euh, c'est vrai que ces lieux ont bénéficié euh, euh, dans leur histoire d'échanges assez fructueux entre les sciences sociales et, et l'architecture, notamment dans les années, enfin particulièrement dans les années 1970 où il euh, y a vraiment une, une nécessité qui s'impose à la fois aux architectes et aux chercheurs euh, en sciences sociales de réenrichir cette relation euh, du logement avec son environnement extérieur immédiat. Hein. C'est de se dire, euh, euh, voilà, on a... Alors, ça c'est le contre-coup en fait hein, de l'expérience des grands ensembles, euh, qui fait que on considère que on a certainement perdu en finesse, on a perdu euh, dans cette articulation euh, qui, euh, qui, qui qui se serait effectivement appauvrie euh, dans, dans dans le cadre de ce, cet urbanisme des grands ensembles. Donc il va y avoir une sorte d'engouement, de, de regain d'intérêt euh, et euh, une focalisation en fait sur 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 ces lieux et, et je dirais une, un enrichissement mutuel entre les sciences sociales et l'architecture et va naître de cette je pourrais dire de, de, de ces échanges fructueux euh, cette notion d'espace intermédiaire euh, alors, qui n'est pas nouvelle hein, mais qui là va prendre un sens particulier qui va favoriser finalement ce dialogue entre architecture et sciences sociales parce que bon, vous voyez espace intermédiaire hein, euh, c'est très flou c'est très malléable mais euh, l'intérêt c'est que ça va permettre d'ouvrir une réflexion sur une catégorie sur un statut à part entière on va se dire qu'effectivement il se passe quelque chose d'intéressant, une échelle intermédiaire à la fois du point de vue architectural et à la fois du point de vue de la vie sociale, et il va falloir effectivement réouvrir les possibles, réouvrir la réflexion par rapport à cette, à cette catégorie qu'il faut chercher à redéfinir. Donc là c'est des travaux très, très riches hein, dans les années 70 qui vont conduire, euh, qui vont se, se matérialiser d'ailleurs par un certain nombre d'opérations hein, qu'on voit fleurir… Fin... Alors là aussi, c'est encore un mot de jargon, je suis désolée, opération. C est, c est, c est, vous avez compris, des... Mais moi, c'est vrai, quand je suis arrivée au début dans le milieu architectural, je pourquoi il parle d'opération De quoi on parle Et maintenant, c'est moi qui l'emploie en, en permanence. Euh, donc, il y a pas mal de. Fin, dans, dans cet état d'esprit de, 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 de recherche comme ça, euh, interdisciplinaire, on se développait entre 1980 et 1990, donc un certain nombre de, de projets d'habitation qui vont faire la part belge justement à ces espaces intermédiaires, euh, en cherchant à s'affranchir justement de cette lecture juridique dichotomique privée-publique, et à travailler plutôt à toute une gradation euh, d'espace entre le logement et le domaine public. Et notamment, on va revoir, réhabiliter cette figure de la cour. Hein, qui, qui, euh, qui avait eu un, un passé un petit peu, elle aussi qui a été plutôt malmenée euh, euh, bon, dans, 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 dans l'habitat, on va dire, haussmannien, où on était plutôt sur des, des puits un peu euh, de, de, de lumière un peu lugubre. Hein. Et, et là, on va réhabiliter cette figure de, de, de la cour donc, qui va se décliner en passage, en venelle, en, 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 en jardin, en square. Hein. Euh, donc, tout un vocabulaire qui va être réintroduit aussi dans dans le domaine vraiment de l'habitat euh, et qui va trouver aussi la finesse euh, de la logique domestique. Hein. C'est ça qui est intéressant, euh, qui même si c'est un vocabulaire qui peut être emprunté par moments euh, à, à, à l'urbain, hein, on va voir comment il va s'adapter à la logique domestique. Donc l'idée, c'est vraiment effectivement de, 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 de travailler, de rétablir cette catégorie d'espace et de, de voir comment elle donne sens et qualité au logement, hein, parce que c'est bien ça aussi dont il est question. Alors les principales euh, qualités euh, qui vont euh, effectivement être défendues par les concepteurs, hein, parce que là encore, on trouve quand même des positions un petit peu différentes, mais j'ai mis les principales. Euh, donc, euh, bah, l'image la plus grande, c'est d'ailleurs la position qui est la plus défendue, c'est celle d'urbanité. Hein. Travailler sur ces lieux pour les concepteurs, euh, déjà c'est une page blanche formidable, hein, c'est retrouver une réserve d'espace dans la ville où rien n'est écrit d'avance. Hein, donc pour eux c'est aussi un formidable euh, moment de création hein, parce que à côté du logement où là on est hyper cadré. Hein, euh, donc là c'est aussi c'est ça c'est un, un espace de, de, de liberté et il y a vraiment l'idée à partir de ces lieux euh, d'enrichir l'expérience urbaine d'améliorer aussi euh, la, la vie citadine, de participer à la qualification, voire à la requalification du tissu urbain. Et là, comme vous le voyez sur donc cette image, euh, ça va se traduire par la création effectivement de passages en cœur d'îlot hein, qui vont euh, pr présenter une sorte d'alternative finalement aux grands axes, aux rues. Enfin euh, voilà, donc là on est dans un cheminement beaucoup plus apaisé hein, de, de de la ville. Il y a d'autres cas aussi où ça va être de réouvrir des courettes justement un peu un peu insalubres. Euh, voilà, donc ça c'est un, un des discours, une des qualités premières hein, qu'on cherche à, à rétablir dans, dans ces lieux. Ensuite, vous avez celle de la compensation. Donc là, c'est vraiment euh, comment ces lieux peuvent répondre au désagrément hein, de, de, de la ville dense donc ça va être mettre à distance le bruit de la ville ça va être aussi de réintroduire le végétal dans la ville avec pour certains l'argument de effectivement d'améliorer le bien-être la, la, la qualité de l'air hein, euh, aussi euh, euh, par rapport aux, aux périodes chaudes déjà on peut avoir ça et puis c'est aussi proposer des extensions donc euh, au logement qui vont permettre d'accompagner la mise en place de nouvelles pratiques. Hein, parce qu'il y a vraiment ça aussi, c'est que ces espaces, dans la mesure où ils ne sont pas écrits d'avance, ils vont avoir une certaine malléabilité. Hein, c'est une matière disponible euh, où euh, finalement on donne certaines qualités formelles, mais on ne... Euh, on n'attribue pas forcément d'emblée euh, des qualités fonctionnelles. Hein, enfin des, 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 euh, voilà. Et puis la, la dernière, euh, qui est celle de la sociabilité, hein, c'est justement de, de participer, de, de disposer d'une réserve d'espace qui participe à la vie sociale de, de, de la collectivité, donc qui se présente comme une épaisseur habitable. Hein, et ça, c'est assez euh, euh, intéressant, qui. Euh, comme je vous l'ai dit, qui se prêterait à l'évolution des, des usages et à l'exploration, surtout de nouvelles appropriations. Donc, on, on voit hein, ces espaces se présentent un peu sont, sont comme un champ des possibles, hein, avec des qualités vraiment spatiales, euh, euh, mais pas forcément. Mais on, on, on se dit que euh, ce sont des lieux qui restent en, en attente de ce qu'en qu feront les habitants. Alors, cette. Disponibilité d'espace, le problème, c'est que cette indétermination fonctionnelle, elle n'a pas été perçue sous le meilleur jour par les bailleurs sociaux en général. Hein, enfin, s'il y a eu cette espèce de parce qu'il y a eu quand même une carte blanche à un moment donné, hein, donnée aux architectes par rapport à, à ce regain d'intérêt, mais euh, je dirais que ce, ce, ce regain d'intérêt a été assez rapidement freiné par rapport déjà au coût de gestion qu que ça a pu entraîner hein, dans, dans certaines opérations. Et puis, euh, assez rapidement, je dirais, ces espaces ont été perçus par, par les bailleurs sociaux euh, comme des sources de conflits. Des sources de désordre à la fois matériel et moraux dans le cadre de, de, de euh, la, pour les bailleurs, que finalement ces lieux favorisaient les comportements déviants. Et je dois dire qu'à la fin des années 1990, début 2000 euh, j'ai pu observer de la part d'une grande majorité de, de bailleurs que j'ai interviewé et dont j'ai pu voir aussi les actions euh, sur le terrain une volonté vraiment de reprendre la main euh, sur sur ces lieux euh, tant dans leur gestion que dans leur conception hein, et c'est là qu'on a vu arriver aussi des programmes des, des pré programmes si vous voulez au projet d'habitation beaucoup plus cadré euh, sur 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 ces lieux et avec cette reprise en main qui s'est vraiment très par le renforcement du contrôle de ces lieux. Alors j'avais. Euh, on' j'ai bien un, un peu. Petite, euh, une petite illustration hein, des, des, des discours qu'on pouvait trouver hein, donc à la fin des, des, des années 90 euh, sur sur cette idée donc euh, absolument de, de de reprendre la main de reprendre du contrôle hein, vous le voyez avec bon, des grands bailleurs tels que l'opac enfin maintenant qui euh, paris habitat euh, bon la, la régie immobilière aussi de la ville de paris où vraiment il faut éviter les espaces indéterminants indéterminés les espaces flottants euh, il, il faut aussi, voyez, de beaux espaces communs à voir, hein, mais euh, pas à occuper. Hein, euh, donc, euh, ça, ça c'était aussi vraiment un discours. Et c'est vraiment un discours qu'on trouvait très ouvertement exprimé. Il hein, n'y avait pas, euh, euh, donc pas de recoins, une grande visibilité. Enfin, euh, euh, voilà, des, des lieux très rapidement qui sont devenus la bête noire, en fait, hein, des, 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 des gestionnaires. Et moi, j'ai pu voir, mais de manière vraiment assez rapide et spectaculaire, un certain nombre de mesures s'appliquaient à ces lieux. Alors ça allait bien sûr de tout ce qui était limitation des, des accès, filtrage, avec toute la multiplication des systèmes de, de, de contrôle, la canalisation aussi des, des circulations. Euh, les espaces plantés qui étaient refermés hein, sur eux-mêmes, toutes les cours qui étaient pas euh, distributives devenir enfin euh, fermées, enfin bon euh, voilà euh, bien sûr enfin les bancs retirés et surtout pas de bancs dans les nouveaux projets, euh, euh, des luminaires parfois aussi retirés pour ne euh, pas attirer l'attention sur euh, certains espaces, enfin euh, vraiment des, des, des choses euh, bon assez euh... et je me suis demandé d'ailleurs dans, dans cette parce que du coup moi j'ai dû consacrer enfin toute une partie que je n'avais pas Envisagé sur ces enjeux de, de la sécurité, enfin, sur cette pression sécuritaire, euh, c'est aussi le courant de la prévention euh, défensive hein, qu'on voit aussi euh, se développer euh, aux États-Unis. Euh, donc, donc Vraiment avec l'idée que de toute façon il faut mettre les habitants sous tutelle, sous ces lieux. Hein. Il y avait vraiment cette idée et il euh, y, y avait un renoncement à la vie collective, hein, de dire que euh, la vie collective euh, finalement n'était que, que, que des problèmes à gérer et ne pouvait pas être une, une ressource. Hein. Donc, euh, alors souvent euh, à regret, hein, mais euh, il mais y, y avait quand même ce, cette espèce de, de défaite hein, euh, sur, sur la vie collective. Alors cette pression sécuritaire, elle a fait que se renforcer hein, jusqu'au début des, des années 2000, avec notamment la création d'équipes en 2004 d'équipes de surveillance hein, interbailleurs à Paris, GPS. Je ne sais pas si c'est quelque chose dont vous avez entendu parler, qui, qui fonctionne d'ailleurs toujours. Donc moi, je me suis même demandé jusqu'où enfin, finalement cette pression sécuritaire pouvait aller. Et euh, contre toute attente, euh, je dirais à partir de, de 2005, j'ai vu que certaines situations ont à montrer des signes de détente vis-à-vis euh, -vis de cette pression sécuritaire. Et à ce titre, j'aimerais très rapidement euh, évoquer, je sais pas où, où j'en suis. Ça... D'accord, d'accord. Bon. <laughs> J'aimerais euh, évoquer euh, euh, une, une opération d'habitat social parisienne que, que, que j'ai suivie, car euh, à, mon, à mon sens, elle montre assez bien un peu la, la mécanique de ce tournant. Alors, ce tournant, il ne s'est pas opéré partout, hein, parce que cette pression sécuritaire, elle continue à peser euh, largement hein, sur, sur les lieux, mais euh, quand, quand les choses ont, se sont détendues, euh, j'ai pu voir enfin bon, des étapes de franchis qui, à, 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 à mon sens, sont assez bien résumés par le cas que je vais vous présenter. Alors, euh, donc là, il s'agit, alors là, on est, on est sur euh, quand même une opération assez ancienne hein, de, de logements sociaux, puisqu'on parlait même pas de, on parlait à l'époque de HBM, hein, habitation à, à bon marché. Donc, c'est ces grosses opérations que vous pouvez voir. Euh, euh, plutôt à la périphérie hein, de, de, de la ville qu'on a pu appeler aussi la, la ceinture rouge. Hein, C'est euh, à Paris ces immeubles de, de briques rouges. Donc là, on, on est sur une opération dans, dans le 14e arrondissement de, de Paris, donc 324 logements. Euh, plutôt des petits logements, hein, des, des, des deux trois pièces, euh, et l'ensemble, comme vous le voyez, enfin la forme urbaine est intéressante parce que l'ensemble en, donc est constitué de bâtiments en peigne euh, qui dégagent une, une série de cours reliés par, par un passage latéral hein, euh, que vous voyez ici. ah non c'est pas bon je bouge là, que vous voyez ici euh, ah oui mais ah oui du coup il y a... De l'image qui est oui. bon, mais ça, ça va. Euh, et euh, sur les cinq cours, hein, trois cours sont distributives. Euh, et à l'origine, chacune des cours, à l'origine du projet, hein, chacune des cours avait été plantée d'arbres fruitiers hein, euh, avec d'ailleurs des, 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 des espèces différentes par cours, un sol en, en caillou blanc, hein, mais un, un sol de, 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 de pleine terre. Alors, au fil de, de, de son histoire, ces cours distributifs ont été Bétonnés et, et euh, les cours non distributives ont été rendues inaccessibles, et euh, notamment une des cours hein, qui a, abritait euh, un espace gazonné, quelques arbres, un rosier. Euh, alors, celle-ci, euh, ils ont décidé, enfin, le, le bailleur avait vraiment décidé de la protéger hein, de ses habitants, euh, et c'est bien le mot hein, qui était employé. Donc, euh, des grilles de très haute hauteur, impossibles à escalader, ont, ont été euh, euh, aménagées pour protéger cette cour. Alors, cette cour, elle est devenue pour les habitants la cour barrée. Euh, et, et, et par la suite, puisqu'il y a eu quand même une vie euh, qui s'est développée dans cette course, c'est celle des chats. Donc elle est devenue la cour aux chats. Euh, donc c'était la, la cour finalement qui servait de, de, de refuge aux, aux chats. Euh, et ce qui s'est produit, c'est qu'à la fin des années 1990, Plusieurs interventions du bailleur euh, ont été mal acceptées par les habitants et jugées autoritaires. Alors ces, ces opérations, elles ont porté sur, sur différents aspects, notamment euh, la rénovation des logements qui n'avait pas été concertée auprès des, des habitants et plusieurs actions ou projets d'action aussi qui portaient sur les parties communes justement. Alors une, un événement qui a été vraiment très crucial, je dirais, dans la mobilisation des habitants, c'est qu'ils ont emmuré les caves contiguë à la cour aux chats, et donc du coup ils ont, ont muré les chats vivants. Donc là, ça a été euh, une grande mobilisation pour faire, pour réouvrir les, les, les caves. Euh, et puis il y a eu aussi pr plusieurs projets de, de sécurisation de la cité qui voulaient justement découper euh, chacune, enfin euh, ce passage latéral pour euh, finalement mettre des, des barrages hein, pour chacune des accès sécurisés pour chacune des cours. Il y a même eu le projet de revendre une partie de, de la cité euh, euh, à un promoteur privé. Et puis, le dernier projet aussi, c'est un projet de végétalisation, mais qui euh, ne demandait pas du tout la consultation des, 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 des habitants. Donc ce qui est intéressant, c'est que l'ensemble de, de ces motifs a renforcé l'amicale des locataires qui, qui préexistaient à, à ces actions dans un rôle vraiment revendicatif et qui leur a donné, enfin, qui, les a, euh, qui a ravivé chez eux la volonté de se réapproprier euh, leur cité. Et cette volonté de, de, ces, cette ré, de réappropriation s'est focalisée justement sur cette cour barrée, cette cour au chat, avec le projet de la transformer en jardin partagé. Euh, alors là, c'est un processus assez long euh, qui, qui mériterait vraiment d'ailleurs d'être enfin euh, détaillé. Alors, moi, ça m'a passionné cette histoire. Euh, donc c'est vraiment les, les locataires qui ont voulu toujours tenir ce projet parce qu'à plusieurs reprises, finalement, on a voulu aussi leur, euh, leur, leur retirer quelque part, hein, notamment la mairie qui, qui a été un vrai soutien hein, pour pour ce, ce projet, mais qui à un moment donné a dit bon on prend La main sur le projet et c'est nous qui l'aménageons, etc. Et mais le problème c'est que ça, il euh, y, y avait le temps long aussi hein, de, 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 de la mairie qui euh, ne correspondait pas à ce qu'attendaient les, les habitants. Donc c'est eux qui finalement se sont organisés et c'est ça qui est intéressant aussi. Ont mobilisé des compétences, hein, ils ont appelé des jardiniers, des maîtres composteurs, enfin tout un tas de gens. Chacun a, a vraiment créé un, un réseau de compétences pour déterminer, définir finalement aussi. Ce, ce, ce jardin. Donc, ce, ce jardin a été inauguré en 2009. Donc, vous voyez, il y a eu quand même du temps qui s'est écoulé, hein, parce que fin, fin 90 la, la revendication, et puis 2009 le, le jardin partagé. Alors, c'est un jardin partagé qui a été, vous voyez, qui, a, qui, qui est à la fois pour répondre à une demande des, des habitants, mais qui se veut aussi ouvert euh, sur, sur le, comment dire, le quartier, puisqu'il y, y a une partie collective qui a été prévue dans ce jardin pour euh, faire venir aussi le centre de loisirs à côté, pour mener des, des, euh, des, des actions éducatives, on va dire, hein, et surtout euh, cette cité qui était prévue de se refermer sur elle-même, au contraire, que ce jardin tisse un lien avec euh, les, les, les structures extérieures. Extérieur. Donc, moi, ce que je. Alors, il y aura encore beaucoup de choses à dire, hein, mais euh, je ne vais pas trop m'étendre. Mais ce que je trouve, c'est. Enfin, on voit bien. Euh, c'est intéressant de noter que la création de ce jardin est née d'une initiative habitante pour contrer ou rééquilibrer finalement le pouvoir du bailleur. Euh, et c'est vraiment ce qui s'est passé grâce à ce, à ce jardin c'est qu'il y a eu vraiment euh, un rapport de force qui a changé. Euh, entre, entre le, le bailleur et, et les résidents et justement les principes de coproduction mais aussi de cogestion euh, qui se sont imposés finalement dans cette relation avec quelque part je dirais l'obligation aussi pour le bailleur de reconnaître une compétence habitante et de reconnaître aussi un libre arbitre hein. euh, et ça bon c'est quelque chose qui est en permanence négocié hein. c'est pas c'est pas quelque chose d'acquis une fois pour toutes hein, à tel point d'ailleurs que aujourd'hui euh, les, les résidents ont décidé de créer une association du jardin pour qu'elle soit vraiment dissociée de justement euh, de la vie de la résidence hein. Euh, euh, et qu'elle soit finalement indépendante et protégée de, de toutes les actions euh, finalement de, de la résidence. Donc, ce qu'on voit, c'est que quand même ces lieux, effectivement, euh, ont ce rôle euh, très stratégique à un moment donné de, de, de changer euh, le rapport de force entre différents acteurs. Euh, et ce sont effectivement, ça joue bien cette idée de réserve d'espace euh, qui, à un moment donné, va changer la donne. Euh, finalement parmi euh, parmi les, les, les acteurs alors depuis euh, donc là j'entame ma dernière partie j'espère que je suis Très bien. Alors depuis 2010, hein, c'est vrai qu'on observe de la part des bailleurs euh, des initiatives hein, qui vont dans le sens de développer justement les, les espaces partagés, euh, puisque maintenant on parle d'espaces partagés. Hein, de, et j'ai vraiment noté que c'était à partir de 2010 que cette expression s'était vraiment euh, répandue. Euh, alors moi, la première question que je me suis posée, mais, mais à quoi est due cette bascule euh, les, les promoteurs immobiliers, les bailleurs qui ont une telle, enfin moi, je les ai vraiment entendus et j'ai eu j'ai vu à quel point ils étaient réticents au développement de ces espaces communs. Pourquoi maintenant ils se mettent plutôt à développer ces, ces espaces, hein, à être même à, à, à l'initiative euh, Et j'ai trouvé quand même certaines réponses. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce guide. J'ai trouvé certaines réponses dans, dans ce guide. Bon, puis euh, maintenant, je, je continue aussi euh, à enquêter. Euh, donc, c'est un guide qui a été édité en 2018 hein, par la Caisse des dépôts et consignations Habitat, qui est une filiale, filiale immobilière de la Caisse des dépôts et consignations, et euh, un, un, un des premiers bailleurs de France, hein, euh, et qui a donc euh, édité ce, ce, ce guide. Euh, alors, un guide assez conséquent, hein, 131 pages, que vous pouvez trouver euh, sur, euh, sur Internet, donc, vous voyez qu'il s'intitule ⁇ Développer les espaces partagés ⁇ Donc, il y a un volet pédagogique, un volet pratique, et puis pas mal d'exemples en, en annexe. Et alors, quand on, on regarde effectivement ce, ce, ce guide, est vraiment présenté, euh, enfin, les espaces partagés se présentent comme une offre de service, hein, et, et ce, ce mot de service, je pense qu'il est euh, important à, à, à retenir, et comme vous le voyez, dans différents domaines, hein, il se décline, hein, aussi bien dans l'accueil, le recyclage, les animaux, la convivialité, jardin, bricolage, culinaire, quotidien, hein, donc on n'est pas sur un secteur à proprement, à proprement parler. Et ce que l'on voit dans ce guide, c'est vraiment. Euh, alors là, vous avez l'exemple du, du, du composteur, hein, comment mettre en place le composteur. Vous avez alors l'ultime, enfin l'espace partagé vraiment euh, qu'ils considèrent comme le plus abouti, c'est le jardin partagé justement. Et vous voyez donc une, une véritable, enfin dans tous les volets là qui sont indiqués, les évaluations, les critères. Euh, Vraiment une, une volonté de formaliser hein, l'espace partagé et de lui associer euh, une vraie ingénierie hein, de projet, hein, avec effectivement euh, l'anticipé le matériel, le budget, qu'est-ce que ça va créer, etc. Donc j'ai compris que de cette, dans cette mesure, finalement, euh, l'espace partagé devient l'allié euh, du, du, du bailleur dans la mesure où il redevient un lieu programmatique, euh, autrement dit, un lieu maîtrisable et maîtrisé. Euh, et comme on le voit là, dans les euh, valeurs qui sont données, enfin les préconisations, hein, il y a dix préconisations. Euh, vous voyez, euh, le jardin est un moyen de dépasser les querelles, euh, les plaintes et la vision négative des conditions de la vie dans une résidence. Plutôt que de gaspiller l'énergie dans la réclamation, il est préférable d'investir dans un projet enthousiasmant, tourné vers l'avenir, qui apporte... Euh, j'ai pas le truc pour tous, j'ai pas le morceau qui manque. Le jardin est porteur aux yeux de tous de valeurs universellement partagées, la beauté, la présence de la nature, le vivre ensemble. Il est important de rappeler que les espaces partagés représentent plus qu'une activité occupationnelle, c'est un moyen pour retrouver un lien avec la nature et avec les autres. C'est en mettant en avant ces valeurs partagées, euh, qu'il garantit la participation au projet et l'acceptation par les autres résidents. Donc, on, on voit bien aussi par rapport à effectivement, c'est un, un lieu qui véhicule des, des, des valeurs, euh, on, on voit bien que c'est un outil de gestion finalement à part entière qui se pose aussi garant d'une certaine paix sociale. Hein. Euh, et et c'est toujours finalement aussi, enfin, cette question de ces espaces, c'est toujours ça finalement ce à quoi elle, elle, elle ramène. Et plus que le vivre ensemble, qui était la bête noire, enfin, moi j'ai vraiment entendu ça, bête noire des, des, des bailleurs. Là, ce qui est visé, c'est plus le vivre ensemble, c'est le faire ensemble. Et, et ça, ce, ce glissement aussi, pour moi, il est intéressant à, à, à observer parce que, en ce sens, ça veut dire que la vie de voisinage devient un travail relationnel euh, où l'habitant euh, devient aussi un acteur agissant. Donc, il y a l'idée, enfin, ça implique quelque part que faire partie d'une communauté habitante, ce serait forcément y prendre part. Hein, et ça, ça pose question quand même. Hein. Et justement, je vais terminer par mes questions. <laughs> Ma dernière diapo. Euh, donc c'est ce basculement hein, que j'ai voulu mettre en avant dans, dans mon titre en, en différenciant donc, les espaces à partager, des espaces partagés, puisque dans le premier cas, espaces à partager, vous voyez que ça nous ramène aux espaces intermédiaires que j'ai présentés euh, au, au début, hein, où on cherche à proposer des espaces spatialement qualitatif mais sans gestion anticipée. Et d'ailleurs, c'est beaucoup ce qu'on a reproché à ces espaces. C'est D'accord, vous faites une cour, vous faites un jardin, vous faites tout ça, mais vous pensez pas du tout à la gestion. Hein. Euh, mais à la fois effectivement des espaces qui euh, se veulent ouverts à l'expression habitante, qui restent du domaine de l'informel. Hein. C'est ça finalement le caractère de ces espaces intermédiaires. Alors que dans les espaces partagés, ceux qu'on vante aujourd'hui, hein, enfin ceux qui sont diffusés aujourd'hui, euh, il s'agit plutôt d'espaces qualifiés, hein, peut-être même surqualifiés, appelant à des modèles de gestion très élaborés. Euh, on rigole plus du tout avec la gestion, là, elle, est, elle est pensée en amont, et certains même vont jusqu'à parler, alors peut-être d'une manière un peu négative, de management de logement. Hein. Voilà, donc ce changement de braquet euh, dans, dans la valeur donnée, je dirais, à ces espaces communs appelle à plusieurs questions euh, que je me pose euh, actuellement. Euh, et euh, j'espère pouvoir d'ailleurs y répondre très prochainement avec euh, une équipe euh, pluridisciplinaire hein, dans le cadre d'un projet que nous avons euh, déposé, un projet de recherche. Donc, c'est de se demander déjà à quoi correspond cette notion de partage hein, euh, euh, et pourquoi cette notion de partage, elle s'est imposée aussi hein, pour désigner ces, ces lieux. Alors un premier petit inventaire m'a permis de voir qu'il y avait une, une variation aussi d'interprétation de ce mot de, de, de partage, euh, suivant qu'il est plutôt issu de l'économie collaborative ou plutôt effectivement euh, de, de la vie collective, de, de la vie sociale ou encore le partage avec en lien avec la ressource naturelle, avec le vivant hein, dans, dans, dans sa globalité. Euh, donc il y, y a ça, il y a effectivement de, de continuer à synth. Sur cette notion de partage, et puis aussi, bah, quelle conception, parce que là on a changé quand même dans, dans la vision que l'on peut avoir du, du rôle de l'habitant. Enfin, moi je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé euh, et, et je pense que ça mérite d'être discuté. Et puis enfin, effectivement, quelles sont ces conséquences Quelles sont les conséquences de ce passage du, du vivre ensemble au faire ensemble hein, euh, dans pour, pour, pour la vie de, de, de voisinage et, et la collectivité en, en, en général. Voilà. Alors, c'est vrai que ce changement, il est quand même très récent. Euh, on peut se demander si ça va durer, hein, parce que déjà, moi, je vois, j'ai pu avoir quelques euh, retours de promoteurs, alors là, pour le coup privé, qui commencent un peu à déchanter, parce qu'ils voient que leur, euh, leurs opérations avec des super espaces partagés, la cuisine, la terrasse, euh, etc., ça commence à... Ça ne se vend pas aussi bien qu'ils le pensaient. Donc, on peut se demander, est-ce que... Comme certains analystes en ont parlé, est-ce que c'est un effet de mode, hein, ces, ces, ces espaces partagés Est-ce que ça va durer euh, Et si ça dure, bah comment, comment effectivement ça va s'imposer dans, dans, dans la vie collective Alors, il est peut-être un peu trop tôt encore pour le dire, mais je pense que toutes vos expériences m'ont justement apporté un large éclairage dessus. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup, Valérie donc pour ce passionnant récit hein, de la, la trajectoire de ces espaces intermédiaires hein, qui est en quelque sorte au départ un peu des, des non-espaces non-lieux et puis euh, on a vu être investis euh, euh, donc euh, appropriés, euh, conquis parfois par des habitants, hein, des espaces qui sont toujours aussi... Je pense que ça, ça apparaissait bien dans, dans, ta, dans ta présentation entre les, les trois grands groupes d'acteurs hein, qui, euh, qui interagissent, bailleurs et pouvoirs publics, euh, les concepteurs, hein, les architectes qui sont, euh, qui sont là évidemment, et les, et les gestionnaires, et puis euh, les résidents hein, qui euh, s'organisent aussi pour euh, reconquérir et, et s'approprier euh, ces, ces, ces espaces. Et je crois que, et ton intervention a également bien, très bien souligné cette euh, tension permanente entre... Euh, Autonomie et maîtrise. En fait, c'est vrai qu'on est sur ces espaces ils sont, comme par définition, ils sont intermédiaires. C'est vrai que, voilà, on peut dire c'est le, le, le côté public pousse à la, à la maîtrise et à la, à la gestion de ces, de, de ces espaces, et le côté peut-être un peu privé pousse à, aussi à les investir et à les, à, à les, les investir avec nous, justement. Euh en autonomie pour y inventer des, des nouvelles pratiques. Donc merci, merci, beaucoup, merci aussi de nous avoir voilà, montré un peu ces, ces successions finalement hein, de, de phases autour de ces, de, de ces espaces. Et puis donc là, on est dans une phase plutôt bénéfique hein, pour mmh. l'autonomisation, le, le, le vivre ensemble et le faire ensemble. Mais comme tu le signales, on n'est pas à l'abri non plus d'un retour ou d'un changement justement de, de perspective au gré des au regard des, des, des retours. Alors on a quelques, quelques minutes pour échanger. Donc, euh, avec euh, la salle euh, présentielle et la salle virtuelle, euh, je vais peut-être on va donner la parole d'abord à la salle. Donc, à ceux qui sont présents, on a euh, des micros. Les gens sont invités à se, euh, à se déplacer. Ceux qui veulent poser des questions, donc, sont invités à se déplacer là où il y a les papiers qui sont, où c'est marqué réservé et voilà, il y a les micros et donc comme ça vous pouvez poser la question et ce sera relayé dans l'espace virtuel, présentiel, partout. Alors, qui veut se lancer pour poser une première question Oui Et donc voilà, il faut lancer le... Voilà, vous prenez la parole. Vous présentez rapidement et puis vous posez la, la question. Ça marche. <laughs> euh, bonjour, euh, je m'appelle Lucie, je suis étudiante à l'école d'architecture de Strasbourg. Euh, et ma question, c'était sur euh, l'opération que vous avez présentée justement avec cette cour achat. Euh, vous avez parlé de l'amicale des locataires et je voulais savoir si vous aviez euh, du coup euh, une vision sur euh, la sociologie de ces habitants, enfin quel type d'habitants c'était. Euh, enfin, euh, voilà, leur, euh, leur niveau euh, socio-économique, euh, etc. Merci. Oui, alors, c'est vrai qu'il euh, faut effectivement euh, toujours… Je ne me suis pas… j'ai pas trop approfondi euh, le, le cas sous tous ses aspects, mais euh, l'aspect sociologique, donc on est sur du logement très social euh, et avec la particularité, effectivement, d'une… Euh, population de gitans euh, qui a été euh, sédentarisée alors au tout début hein, de, 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 de l'opération mais qui représente une grande part de, de, de la population euh, et qui justement a, a été c'est ça qui est intéressant a été donné au moment où il y a eu tous ces projets de euh, comment dire de, de de sécurisation des cours et de fermeture de, de ces cours de dire que c'était alors là ça venait pas forcément d'eux c'était le, le, le reste de, de la population qui était plus alors là je, je dirais des profils aussi beaucoup de femmes seules et des personnes aussi dans le milieu artistique notamment la, le profil de, de, de vraiment la personne moteur de, de cette amicale des locataires elle elle était écrivain bon c'est elle qui a donné d'ailleurs ce nom de Jean Genet Enfin, bon, donc euh, c'est effectivement un petit noyau dur hein, de femmes qui étaient investies dans le milieu artistique, mais qui ont aussi revendiqué le fait que euh, ces, ces personnes, donc, euh, euh, les gitans comme ils l'appellent dans cette opération, euh, avaient cette culture euh, de, de, de la cour euh, et de, de, de l'espace justement extérieur, et que c'était nier cette culture que de effectivement d'extraire, de, d'abstraire les, les cours de, euh, de cette. donc, effectivement, il y a, il y a aussi une, une culture très intéressante à, à, à développer, mais sinon, on est effectivement sur un, du logement très social, hein, hein, avec euh, une grande partie de, 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 de personnes dans des situations économiques euh, difficiles. merci. alors, on a une question, donc, euh, sur le. alors, on pas donner la parole, mais je pense qu'il va prendre la parole. Elle, pardon. Bonjour, est-ce que vous m'entendez Parfaitement. Ok, et eh bien alors je me présente rapidement. Je m'appelle Soma Klimpegdi. Je suis une citoyenne, lambda, on va dire ça comme ça. Et donc ma question, c'était comment est-ce que dans le cadre de l'animation de ces espaces communs, partagés, est-ce que malgré nous... Donc, les habitants, nous ne risquons pas euh, d'exclure euh, des gens qui sont déjà décrocheurs dans une forme de fragilité sociale, euh, pas forcément euh, financière, mais plutôt de, de l'ordre de cet isolement. Donc, euh, voilà, comment est-ce que malgré nous, on ne risque pas de les renfronner encore plus, euh, qu'ils rasent encore plus les murs quand ils passent à côté du jardin partagé Est-ce qu'il y a des leviers qui sont déjà connus Merci. Oui, merci. Bah, c'est un peu ça que j'ai voulu soulever aussi hein, pendant ce glissement de, 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 enfin, de dire est-ce que faire partie d'une communauté habitante, c'est forcément y prendre part. Hein. Et, et je pense qu'effectivement, c'est carrément un boulot qu'on demande aux habitants là, hein, enfin, de s'investir. Et on sait combien pour pour beaucoup de personnes, déjà, le quotidien est extrêmement lourd euh, à, à gérer. Donc c'est une pression supplémentaire quand même qu'on vient faire peser sur les épaules de, de l'habitant et particulièrement ceux qui euh, ont déjà du mal euh, à, à tenir le, le rythme qu'on leur impose euh, et notamment je me rappelle d'une personne qui était intervenue au nom de bah, justement de, de femmes euh, euh, célibataires qui ont déjà qui euh, euh, des mères seules comme on les appelle qui ont déjà euh, voilà leur boulot les enfants enfin etc et on va leur demander encore de s'investir dans le jardin partagé de, euh, de donc oui je, je pense que ça, ça, ça peut enfin en tout cas c'est quelque chose auquel il faut, il faut veiller euh, ben, ça peut être excluant enfin moi en tout cas c'est oui. pas une, 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 une réserve en tout cas que, que j'ai actuellement par rapport à cet engouement oui c'est ça c'est aussi le, la question aussi du caractère inclusif de ces espaces ou, exclu, enfin, ou excluant justement parce que oui. on peut avoir euh, il peut y avoir cette, cette injonction à faire donc euh, et puis les gens qui n'ont euh, pas le temps pas, etc mais il peut y avoir aussi des gens qui, ont, en, qui auraient envie de s'investir mais qui de fait ne trouvent pas leur place parce que ça correspond pas, ben voilà, parce qu'ils sont pas intégrés dans les bons réseaux, ils partagent pas la même culture justement de la gestion de, de ces espaces, de ces espaces partagés. Donc, tu as un peu des, des éléments sur les, les enfin, sur comment cette question de l'inclusion, du risque donc d'exclusion, de, est prise en compte de manière plus ou moins explicite, à la fois par ces associations habitantes et par les, les bailleurs qui portent aussi et accompagnent ces initiatives. Oui. Et, et d'ailleurs, c'est ce que j'ai pu voir à l'œuvre vraiment dans cette dans cette cité du du 14e où euh, tout l'objet de ce jardin, ça a été vraiment le plus possible d'intégrer. Les, les différents profils de, de population et notamment faire beaucoup intervenir les enfants. Hein. Parce qu'au début, euh, par exemple pour l'inauguration, euh, bah, les élus devaient planter leurs petites plantes, etc. Et alors les, les, les membres de l'amicale la on dit, ah non, surtout pas, pas les élus, parce que là, ça va être, tout de suite, il va y avoir un rejet d'une partie de la population habitante. et on dit, non, non, on va faire intervenir les enfants. C'est les enfants qui vont planter les, les plantes et on va prendre les enfants, justement, bien répartis. Et donc, oui, il y, y, y a toujours ce, ce jeu effectivement d'acteurs et, 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 et cette question de l'adhésion qui, qui est permanent. Euh, et, et on sait qu'en plus il y a des évolutions. Enfin, euh, moi là, je, je pourrais vous raconter l'histoire du jardin parce qu'après il y a eu le monopole de certains locataires sur certains. Le jardin a été euh, euh, fermé, enfin, donc il a fallu reconquérir par un autre groupe de locataires. Enfin, c'est jamais, mais c'est ça qui est intéressant c'est jamais une, une, une... L'histoire écrite d'avance hein, et qui demande en permanence des régulations, des ajustements. Mais c'est ça que je, je trouvais que les bailleurs n'acceptaient pas, c'est qu'effectivement ça peut devenir des lieux conflictuels. Mais le conflit n'est pas forcément négatif. Euh, il faut laisser les, les jeux se redéfinir euh, entre acteurs, etc. Euh, mais à partir le bailleur, dès qu'il voit qu'un lieu devient conflictuel, c'est fini. Quoi. Le, le lieu est exclu, on va dire, de la vie collective parce qu'il pose problème. Très bien, merci. Je pense que tu as vraiment donné envie à tout le monde d'en savoir plus <laughs> sur cette histoire de la, de la Cour au chat, euh, qui est assez illustrative de, cette, justement, de, de tous ces enjeux, de tout ce qui se noue autour de ces, de ces espaces partagés. Euh, je pense que si, si tu peux mettre dans le chat des, des liens vers des références de la bibliothèque, des articles ou des rapports qui permettraient justement de, à ceux qui veulent approfondir d'en euh, bah voilà, de, prendre connaissance, donc, euh, tu pourras le, le faire dans la, dans la suite. Euh, bon, on pourrait évidemment euh, continuer longtemps, mais euh, le, temps, euh, le temps passe, le temps nous presse. Et euh, Mathilde, l'Alsacienne, me dit que, <laughs> me signale que euh, il est temps de, de clore cette, cette session introductive. Donc euh, vraiment, merci euh, merci beaucoup euh, Valérie, c'était tout à fait euh, passionnant. Et donc je vais euh, sans plus tarder euh, dé, euh, passer à la, session, à la première session en fait hein, de cette euh, de cette journée et euh, inviter donc euh, Elisabeth. Hein,